Cette embarcation bleue a failli devenir leur cercueil. Entassés sans vie, ils dérivaient en Méditerranée. Ces migrants viennent d'être secourus par ce remorqueur, à sa barre, un capitaine breton. Il y a des femmes, il y a des bébés qui pleurent. Ce jour-là, il a sauvé trois bateaux pleins à craquer. Il y a aussi trouvé des cadavres, des migrants morts. Au cours du mois d'août, Philippe Martinez a secouru 8 bateaux, 1840 personnes au total. Attendre, transférer. Ça va durer 24 heures, on va pas fermer l'œil pendant 24 heures, là, on va être sur les genoux. À bord. Pourtant, ils ont payé la traversée entre 1 000 et 3 000 dollars par personne.